Nous suivons de près cette question. Nous avons été invités comme Sennared. Même le pouvoir de facto de Bujumbura, qui avait toujours refusé à ce que les négociations soient organisées à l'extérieur du pays, à ce que le Sennared soit invité comme Sennared. Aujourd'hui, j'ai cru comprendre, par le porte-parole de ce même gouvernement, le porte-parole de l'ex-président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, que cette question, ces deux questions ne posent plus de problème. Qui vont répondre aux négociations avec la présence du Sennared. Il ne peut pas en être autrement. Est-ce que on peut aller à l'extérieur pour négocier avec soi-même? Parce qu'y aller avec Jean de Dieu Mutabazi, avec Gaston Simino, avec Grimana Jacques, avec Ndouimana Edouard, c'est de la farce. Ça serait de l'escroquerie politique, si vous voulez. Ces gens-là, ils étaient là pour négocier leur place. Ils en ont eu, les uns sont au Parlement, les autres sont au gouvernement, les autres dans d'autres postes, dans l'administration publique ou dans l'administration territoriale. Ils n'ont plus de problème. La négociation reste entre deux blocs. Un bloc pro troisième mandat et un bloc contre troisième mandat. Ce bloc pro est avec l'ex-président Pierre Nkurunziza, l'autre c'est la Sennared. Ou bien tu es avec le Sennared, ou bien tu es avec l'ancien président Pierre Nkurunziza, qui a renversé l'accord d'Arusha et la Constitution. Ce sont ces deux blocs-là qui vont négocier. Il y aura l'ouverture des négociations à Kampala le 28. Et comme nous avons régulièrement négocié à Arusha, on va déplacer les négociations vers Arusha. Donc nous allons commencer d'abord à négocier l'arrêt de ces violences. L'arrêt de ces violences, voilà la nécessité de la force. L'arrêt de ces violences et la protection des civils. La réhabilitation de l'armée. L'armée a été complètement détruite. Parce qu'aujourd'hui, elle est divisée sur fond ethnique et sur fond politique. On voit même des militaires qui sont arrêtés comme des civils, comme ça. L'armée est déstabilisée. Donc, on doit d'abord négocier la sécurité du pays. Un pays qui n'a plus d'armée, qui n'a pas de police, comment est-ce qu'il pourrait être géré prochainement? Alors, je disais que dans un deuxième cas, c'est l'accord d'Arusha. Et l'accord d'Arusha est très clair et formel. Nkurunziza ne peut pas briguer en troisième mandat. Donc, pour nous, la question est close. La question close, ça ne se pose plus. Mais par contre, la question de préparation et d'organisation des élections apaisées, libres, transparentes et démocratiques, conformes à l'accord d'Arusha et à la Constitution, la question reste posée. Voilà, cette question sera négociée.